Dego Martin Fayulu a coupé sa conseille à Félix Tshisekedi, le receleur. Voilà, c'est le nouveau nom de Félix Tshisekedi, le receleur du pouvoir de Martin Fayulu. Parce que Bandeko ya IDPS, Bako Bosana, Kenali Kambo et Tali, l'arrestation de personnes au bas tripota qui pouvoir. Il y a Martin Fayulu, Félix Tshisekedi a posé dans la carte, a posé la même, mais plus puni que Batoyo. Je ne veux pas fouiller au passé. Et où t'as wapi? Nakati accorde. Je ne fouillerai pas au passé. Je ne fouillerai pas au passé. Et où t'as wapi? Nakati y a encore. Bokani si phrase, on a Félix et tu sais que derrière qui n'a pas l'obligé, je ne fouillerai pas. Déclaration incendiaire? Non. Je dis juste la vérité et je dénonce. Nous taire tous devant la dérive à laquelle nous conduit M. Tshisekedi, c'est hypothéquer le pays. Le pays est en danger. Aucun engagement pris par le président de la République n'a jamais été respecté. Tenez, Genève, Nairobi, FCCK et autres, non, la faute revient toujours aux autres. Si Félix Tshisekedi est honnête, à zone de Sela Martin, failli le pouvoir, a démissionné. Pour la potale, ça n'a pas peu que qu'il y a à dire honnête. L'accord n'est qu'il y a des gens qui sont dans le lobby. N'est qu'au Félix et tu sais qu'il dit. N'est qu'il y a des gens qui ont fait pour que ça ait une valeur. 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 J'ai été contacté. Avec Félix et tu sais qu'il dit. Ami Kendela Yemoko, a proposé à Nyonso Yemoko, mais la soukana la moue Kenda, ote, bango bato ba contacta kama. Composons. Moi, yaye baki bakamo Nyonso zaki koleka. Ba revendication Nyonso ya peuple contre Kabila. Même si ba bengi saki yo nga ki opo ya, ou nga ki loba, non, non, je ne partirai pas. Parce que ngaï na yu, na zui pouvoir, na nzela ya peuple. Oh, bango ba kobenganga, je pense que c'est mieux même nata la sima. Bande konanga ya Genève, boya kotala, na longwa kibino, mena ya ki pour que na soit pouvoir, pour que to kabola na bino peka ilongo. Parce que zara ki ki opposition ne zo. Mais opposition à Félix, et tu sais que l'itan go bake kozo. Ya yi de proposition, o eleka ki, Martin Fayulu a boya, mais Félix, et tu sais que l'itan na boti. Félix, et tu sais que l'itan lobi na biso. Que yé, azala ki na ba résultat na yé. Tango a yé a yé disi a lobi, oh non, mais n'engé ni bino bo bengi singa, awa, so ki bo lingi bo tchanga yi. Premier ministre, ya candidat na bino, nga la kolinga te, parce que nga yi, na gagné ba élection. Il avait, j'ai mes résultats. Ba résultat, Félix et Tshisekedi, azwa ki anwa. Le côté Félix et Tshisekedi, ba zui agitation depuis un moment. Bisonyo soto ko comprendre. C'est quoi le grand problème? Mais le sujet où est très très important, très capital pour les Congolais. Pouvoir voler. Où est allé qu'on tient pouvoir na bino na balabala. On a kota lisake boyiba bokondi ya Martin Fayulu. Martin Fayulu a été traité de tout le monde. Et le long nanga mon abino. Bonsoir quand même la télévision. Pourquoi qu'on quitte ma télévision dans l'olé et au thé? Bonsoir dans la télévision, moi à côté du service, vérité au bino Bozener. Ma mission TV, le miroir du monde. Mais... Corneille Nanga, bonjour. Bonjour, monsieur Jeff Ngoy. Pourquoi vous vous êtes exilé? Mais il n'est un secret pour personne que le régime Tshisekedi refuse toute contradiction, toute critique positive ou tout débat. Nous assistons à une gouvernance de fait qui viole même les fondamentaux d'un état de droit. Dans ces conditions, vous comprenez que l'environnement politique est verrouillé et l'opposition évolue dans une sorte de bergerie où règne la loi de l'illégalité et du banditisme d'État. Perquisitions illégales, arrestations arbitraires, rafles et confiscation de toutes les libertés. Ma situation était d'autant plus inquiétante qu'il m'a été retiré toute la garde et donc
toute protection. Je vivais sous des menaces permanentes et de par des services secrets connus et inconnus de M. Tshisekedi, ma sécurité n'était plus garantie au pays. Est-ce que vous n'êtes pas en train de gêner le régime en place avec vos déclarations incendiaires, en dépit du rôle que vous aviez joué dans l'organisation des élections et qui vous intime un droit de réserve et de discrétion? Déclaration incendiaire, non. J'ai dit que les uns ou les autres ont pu penser, croire ou dire, il n'y a jamais eu d'arrangement entre le vainqueur de ces élections qui est face à vous et son prédécesseur. Je veux dire d'arrangement frauduleux à ce sujet. J'en veux pour preuve parce que moi j'aime parler avec des évidences. Deux personnalités qui sont encore vivantes aujourd'hui, M. Raymond Tshibanda et celui qui a été le directeur de mon prédécesseur, Maître Wilania Nehemi. C'est le premier Raymond Tshibanda qui m'avait contacté déjà après le résultat des élections. Et d'entrée de jeu, lorsque nous nous sommes vus, je lui ai dit: cher grand frère, si vous m'avez appelé ici pour trouver un arrangement afin que je devienne le premier ministre de votre candidat, c'est-à-dire Emmanuel Chadari, c'est niet. Parce que... Tango boko yo kanzembo yo, boko luka bokanganga mutuna yemba kiyango. Oh, meko luka barebele bazo kata batumi toujours nuit bozo kokate. Gouvernement de merde, Trenil. C'est moi, Moïse Nzanzu Makasi. Peuple congolais, soyons unis. Ennemi Azana porte na biso, encore Azalina Mawate. Soki tomi bateli teo, gouvernement kosunga biso teo, bazoki pema wana biso teo. Toko mana beni adef nalu bazobo mabatu neti basoso. Eske guverne mabosangi force ya kubonisa bango. Toko mana bunya bakoneko bazokata kata batu jour et nuit. Eske general elubo yo zomonato zomonateo. La pays Congo, pas de président, pas de gouvernement, ce sont des voyous, ce sont des imbéciles. Balingi kakalo kumutango population zombo mama na miso na bango. Quelle sorte de gouvernement? Peuple congolais, disons la vérité. Ongande général Kostandima, ongande major Kabila. Na kuzanga soni bozo tourne na bakarke basoda batonde libinonzo to mobimba. Mais peuple bazo kufa, population bazo kufa jour et nuit. Bozo zanga kosunga bango, orke bango nde baleisa kabino. Bongo na biso nde futa kabino. Me bozo kipeni soteo, tozo kufwa neti basoso. Bozo mi benga le garde civil. Nous sommes des gens fatigués. Quelle sorte. Bonsoir, amis téléspectateurs de AM TV Mbote, Tokutani Lissousou. Bonne semaine, Nabandeko Nyonso, Balandara Bisso, à travers ma mission TV, le miroir du monde, Maman Bibi Kapinga, la Wazalendo National, Nazongi Lissousou, le lot pour Keto Solola. Tomoni Bongo, Martin Fayoulou, Madidi, Aouti Bongo, Kosala, message très important, Nabandeko Nyonso. Oyo ba linga kaye to peuple congolais onion so abunda kana passe na moté mana ko eba que par yande ko Martin Fayoulou et yiba mabongo na Félix et tu sais que dit le receleur et lelo yemo ko akeyi ko bimisa o ezali bongo ba vérité sur son pouvoir topé lo lengeni yele kela ki ezali ko beta kake kuna moto na ngambo na bango moko makambola bango basala ki ndeko Martin Fayoulou azala kite me lelo secret yango wana ebimi o tozaki koloba lobi secret d'état lelo avec l'idopes ezali lisusu secret d'état te. Alors bandeko to bandi émission na biso mbote na bandeko nyonso o bazali kolanda biso de partout pour que natanga bakombo ya bato
déjà en ligne parce que tous allez en direct na monindeko Jires Mboula na monindeko Africano Alain Sanga le directeur des disciplines il y a François Matanouzola il y a Guy Florent Laba bandeko ebele bazali en ligne maman Gabrielle Chembe bazali ko na biso depuis la Belgique mbote na ba wazalendo en fait binoko ko ebate etant ona ko loba la wazalendo national ezali patriote etant mosu bo raka wazalendo mkomusu bo la bola muki de pesa lo bio non wazalendo la kisi oza muto akagame. Donc, c'est ce qu'il y a pour revenir à Rabino déjà pour que vous voyez, Wazalendo, Azali Nani. Wazalendo, c'est des patriotes. Oh, Penza Soko Kati, Mosise Gangi, les Gangi Congo, Congo, Neba Wazalendo. Voilà. Donc, quand on a remis bien à la Wazalendo, c'est-à-dire la patriote. Voilà. La vraie. Tozongi Leno, Bande Konangai, accord et bini. To like vidéo. Pour nous protéger, en gros, ce que l'ingio bongi sa semaine nanga, likez vidéo pour que tout banda. Voilà. To likez vidéo, to likez vidéo. Ndeko Martin Fayulu la tchèri sous mboutou boutou. Polémique impossible, bandeko nanga. Mais ndeko Martin Fayulu na marambonio so a lobby. Et si ka apé si conseil na Félix Kedinde et si ko et intéressé nga. Na roche la bino cette partie la Bourolanda yango de ko Martin Fayulu a copé sa conseil na Félix Tshisekedi le receleur voilà c'est le nouveau nom de Félix Tshisekedi le receleur du pouvoir de Martin Fayulu parce que bande ko ya de pes ba ko bosana ke na likambo etali l'arrestation de personnes au ba tripotaki pouvoir ya Martin Fayulu Félix Tshisekedi a causé dans la carte a causé la même plus puni que bato yo bakenda ki na kobongisa pouvoir pour na kopesa yi yango komona bisika ba jalelo liste ba sala ka ba émission na bango parce que ba sije ko ko ramasser Camille Kike la bonsoir ndeko Prosper Mayamba bonsoir ndeko Emembo bonsoir ndeko Eli 176 bonsoir mbote na bino oui l'accord est là accord est là mais na otie la bino angote soki ko tie ba like te. Na roche akor kaka so ki boche ba like. Voilà. To banye mission la biso tenge na ebisi bino mafa outi bongo kolo ba mokolo alelo. Ape si pe conseil na Félix et Tshisekedi. Paske monoko e lo baramingi e sumu karamingi. Me lingi kolo bate ke journaliste a lo baramingi a sumu karamingi. Bete langa maboko. Monoko baramingi e sumu karamingi. Me journaliste a lo baramingi a sumu karate paske a boulot na e. Voilà. Journaliste à l'obara mingi, le roi maman Bibi Kapinga, a koki, kobeta, libakute, kosu mukate, parce que, et a moussala na ye. Voilà. Je pense que tu sais comprendre na niveau wana. L'accord, nenge na ebisa kibino mokolo ya lobby, neko Félix et Tshisekedi, nenge ye mora lingaka, kope sa yango valeur, koke nene na kingakati, pour qu'il appelle ça en haut valeur à mes marangos pour la colobaké, j'ai été contacté. J'ai été contacté. Et alors, moi, si je suis mobali, pour que moi, ça me paye sa valeur, à taille, moto à draga qui mobali. À taille, moto à zaki, pour folé mobali. À colobaka, à que non, eh, n'a pas de junior, moto à linganga, n'a pas de junior à l'andanga. À taba, 2 ans, hein, n'a pas de nanga pour boy à yémé, eh. Or, ce n'est pas le cas. Avec Félix et Tshisekedi, amikende la yemoko, a proposa nyonso yemoko, mena souka lango ekenda, ote, bango bato ba kontakta kanga. Proposant. Oye, yemba ki makambo nyonso zaki koleka. Ba revendikasyon nyonso ya peuple contre Kabila. Même si ba bengi sa ki yo, linga ki yo boya, linga ki yo ba, non, non, je ne partirai pas. Parce que ngayi na zui pouvoir, nanzela ya peuple. Oh, bango ba kobe nganga, je pense que c'est mieux même na tala sima. Bande konanga ya Genève, boya kotala, na longwa ki bino, mena ya ki pour que na zwa pouvoir, pour que to kabola na bino peka elongo. Parce que zara ki ki opposition ne zwa pouvoir. Mais opposition, Félix, et tu sais que dit tango ba ke ko zwa pouvoir, ya yi de proposition, o ele kaki, Martin Fayulu a boya, mais Félix, et tu sais que dit akenda na kondi.
Toko lobela likambo etali bongo be élection. Toko lobela bongo likambo etali organisation be élection. Mais est-ce que boyebi que Félix et Tshisekedi a kobanga ba auditer fichier électoral? Mais pourquoi a kobanga ye moto azali ko organiser be élection soi-disant avec son cœur ba élection bazali ko organiser ya 2023 nanu esalamate na Congo selon Kadima et Félix et Tshisekedi? Si c'est le cas, pourquoi refusez-vous que ba kende na auditer fichier électoral? Et a kamotuna et a lisacité. Mande kuna toleki na o etali bongo accord. Na betela kibino extrême okolo ya lobby. Ba misusu o ba pes bo kende na ba chaîne na bango ba jalelo liste. Sujet o ba robeta li solo na yango te beta mabongo esiko ozalo ba eza vérité. La vérité eza la ka tétu. Bon, moi, la rabatoye de PES. Sujet, ouais, ou taki ko, tambola awa. Audio, moi, ou taki ko tambola awa. Info audio. Ya, info audio ne nous. Ba sali ba émission, na ebisibino, trogo lo bata, ba 28 000 émissions, na audio wana. John ne nous bia lobby. John ne nous bia salaki. John ne nous bia ke. Bon tout ne la biso bango. Boni boni sujet wa makambetali moyibi a pouvoir à Martin Fayulu boko lobelate. Bino bato bolingaka komona eloko elekate. Bolingaka même ko créer ba o ezali ba information à lokuta. Boni boni likambo a pouvoir à moyibi a Félix et Tshisekedi le receleur boko lobelate. Bon tout ne la nga bango. Jise nani. Comment les arasou nani? Le monsieur des États-Unis d'Amérique. Moubenga. Olobini, monsieur Moubenga. Kolo le fake news. Bake ko kebisa e pas Sassou. Sassou a yaki uniquement la katia sal wana pona ko kebisa Moubenga. Il a créé de fake news concernant coup d'État na République du Congo. Bake bisi e na katia sal wana. Ceux qui botali bien ba vidéo wana boko mona. Même garde ya Sassou a kotia e boue. Bako ke misae. Bako tali sae balobi, messieurs, ce que vous êtes en train de créer là, il faut le faire pour la République démocratique du Congo. Pas na Brazzaville. Pour les autres, vous pouvez créer de fake news. Pour les autres, vous pouvez venir avec des informations mensongères. Ça passe. Mais quand il s'agit de Félix et Tshisekedi, boye ote, aussi, balobi lokuta. Que je vous parle là. Messieurs, le ministre, il y a EPST. Monsieur le ministre, Olienini, exemption. Olienini, pour la moni, okotia, ma tweet na yo contre Ndekonabiso, la Lyon, Paulette Kimuntu. Bon, c'est en attendant la bino, monsieur le ministre, bisika nini a kobou manzela, bino moro boro mona, et puis boro e bisabiso, et si ka kokende nzela, kokende soke zali mala mopo na e. Il menace la lionne Paulette Kimuntu pour la volobake n'a pas porté aux plaintes et au comémayo na justice et calaté pour une vérité. Donc, l'élu est l'unique volobake journaliste à volobak souvé. Même quand vous avez une information avec de vraies sources, au coquille qu'on peut s'y engoter, au coquille qu'on peut pourquoi menacer des journalistes jusqu'à ce point? Ce qui m'a dit que vous en avez vérité, autre journaliste est à PC et à l'Okuta. Kende na o e talimi beko, yaka ko démentir cette information. Votre journaliste est le soi-disant investigateur. Un journaliste investigation. Kombone li sounan. Lokuta na politique. Combien de lokuta a sali pour la faveur ya Félix et Tshisekedi? Lokuta o ekanga e kingote. Eza ki li kambo a bakarte. Bakarte bancaire. Ma carte bancaire au Baloba qui est allée lier notre trésor public. On va retrouver que sur cette liste, il y avait des gens de Félix et Tshisekedi sur la liste. Basali qu'on lie mis soloana. Ils n'ont pas réagi. On est la bisoyer. Komi wapi. A komi wapi. A komi wapi. Na bakart wana ayaka ako denonsa lobi o bato yo, bato mabe, bato bolimbo yamboka, bazo même bakart bancaire, ba liye, angolo trésor public. Te mokolo yalelo, cette information les a qui sensible.
Les lobbies n'ont pas besoin de propagation de bruit. Moi, je n'ai pas de propagation de bruit. Ce qui est mon collègue, c'est que le sujet est là. Je n'ai pas de la présidence, mais c'est papa. Au lieu de mettre la carte, on a vu que c'est ça, c'est ça. On se retrouve tous sur cette liste. Alors, retirez-vous sur ces sujets. Nye! T'es mon colo à l'élo, balobé na angolisou. Exeta et outi ko salema, bande kolonga o bazali informé te. Exeta et outi ko salema, ne konabiso la Lyon a publié information pour na koloba, bo solo na makambo eleki. Voilà. Nde kona biso la Lyon a publié information pour la koloba makambo et l'équipe. Bo zela na koko tweet na ye pour kena tanke la vino. Nde kona biso la Lyon a publié information pour la kota li sa vérité sur makambo et kolekana. Nzo ka repêchage koma pe ko salema. Na kati ya makambo et talibongo exeta. Donc so ko zwi to kotisipe recours. Une information to pe sate. Parce que to banga to ni mwaba. Boyoka, Ndeko Paulette Kimuntu, tweet na ye yango. Soko ke na konti ya Ndeko Paulette Kimuntu, oko mona tweet na ye yango. Ndeko Paulette alobi boye. Une fille décédée avant les épreuves. Sa famille voit le résultat de leur fille avec 60% à Kitambo. Bon, on en a bien. Deuxième point. Une même candidate avec deux résultats différents. 57% puis 71% et troisième point, Bache, candidat réussi avec 49% en République démocratique du Congo. Mande konanga, kobi mis information wanate, banga, propagation de faux bruit et pourtant ils ali vraies informations. Nakati a ba résultat Bande ko ba ebi ke mou la bango e sa poufa. A présenté même pas exeta. Nde ko Paulette Kimuntu a zui. A koti na famille, famille ba e balukiye. A pesi information sur oye konekana. Na kati ya oye tali, ba résultat y examen d'état. So ki ozen na mou la moko a zwa ki exeta. Makambango nenge koma koleke la. Donc makambweza mwa mingi. Oye zali konekana kati. Vous pouvez bien me contacter, biso. Moi, j'ai même un monsieur aussi. Je ne sais pas si c'est la même personne. Contactez pour la Kolobake. Moi, on a biso abimi candidat, ceux qui na Sud Kivu, ceux qui wapi na 49% abimi na katia liste abato zui na katia école moko esali 100%. Mais il y en a 49% bande konanga. Tolobate et singeli to banga parce que ceux qui to bangite bakotia biso na prison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et quoi? Nekonabiso, Tony Mwaba, a souhaité bon, koya kosa la nini, kosa la menace, nan Nekonabiso, Paulette Kimuntu, aye kosa la nini, a publié message à tweet. Ces candidats n'existent pas. Ces candidats n'existent ni à l'Institut Tudjikaze 2, ni dans le système. Aussi, c'est impossible que le système affiche 49%. Voilà, monsieur Tony Mwaba. Le ministère est victime depuis un moment des attaques décidées dans des officines politiques. Bango soki balobi vérité, ezali kako, oh, main noire ezali. Main noire ezali. Et pourtant ici, Monsieur le ministre, peut-être payé au yébité, mais journaliste a copé sa information. Pourquoi n'y en sont-ils pas envoyés dans le colon information et qu'on cause à la caca attaque? Donc, bisous, tous les sous n'a droit de congolais n'y en sont. Journaliste a causé la liste sous tes moteurs pour causer un endroit le quoi congolais n'y en sont. Journaliste n'y en sont pour la vérité, zali journaliste a pour combattre Félix et Tshisekedi. Pour quel intérêt? Nous voulons bien accompagner. La population congolaise est non Félix et Tshisekedi parce que a kokamba malam moté so que ezala ki a kokamba malam motonyo so a koza na sima na ye mais pata ki a kami malam moté pourquoi kolingi motonyo na sima Félix et Tshisekedi et a ka motuna et c'est ça l'information monsieur le ministre na par na ye
a menacé de qu'on a vu Paulette Kimoutou pour la colobaque à comme maïen la justice de Paulette Kimoutou topé si mbote azali pe candidate députation il y a 2023 na ba élection à 2023 azali candidate na députation. Voilà, et c'est ça l'information. Les côtés Félix et Tshisekedi basu agitation depuis un moment. Bisogno soto ko comprendre. C'est quoi le grand problème? Problème yango ezali nini? Peut-être likambo na biso to zali nango pene ya monene na ko kwa ali. Likambo etali bongo accord. Te avant to ke na likambo accord, to rejoint conseil ya ndeko Martin Fayulu, s'il vous plaît. To rejoint conseil ya ndeko Martin Fayulu na Félix et Tshisekedi. Parce que Félix ndeko Martin Fayulu ba ko réclamer na peuple congolais pour qu'a que de ko postuler. Mais na rozala pe na mo analyse moko a ko sala par rapport ya candidature ya ndeko Martin Fayulu o a ko déposer l'an de ces 4 matins et ko lobisha et ko sala penza bruit pour bande ko i de pes na ngambo la bango o bato ba bina nga mama bibi olinga ko benga bato bande ko mingi. Bato a i de pes na ngambo la bango ba ju ango e komi o te Martin Fayulu te bisa ki na ko ko position te. Je ne comprends pas. Ngai, personnellement, na ebisa ki ndeko Martin Fayulu, vanda position, wana garde position. Mais ce qui se passe derrière Martin Fayulu, et ça fait ma pression. Peut-être l'église catholique, peut-être mindele balobi na ndeko Martin Fayulu, okoki koti ka lolenge wana ti. Le Congolais, déjà na ngambo na ye, a vota ki yo. Pouvoir au Félix, et tu sais qu'il y a ko sale la lelo, et ça pouvoir na yo. Peuple congolais a yebinde yo, au koki komi longolate na liste wana. Pression et l'équipe de Martin Fayulu a eu. Peut-être. Je ne dis pas que c'est ça. Voilà. Donc, lelo komo la kende ko Martin Fayulu, même na kati ya message na ya moko la lelo, a lobi et si kamo kote ke na ako kende ko depose moko. A lobi a moko. Je ne m'aurais pas donné une information où il y a du bon côté. Alors, toko yo kana mou conseil, yende ko Martin Fayulu, m'a dit, oh la paix, si na Félix et tu sais que du le receleur, et bongo toko zonga pour que tu continues l'émission. Soto l'anda ensemble, Nabi. Depuis 2018, à savoir la vérité des urnes. Au-delà de tout, j'aimerais tout de même prodiguer un conseil à monsieur Félix Tshisekedi. Prenez la mesure de la gravité de la situation. Et arrêtez de jouer avec le feu. Le moment vous est venu de regarder en face la vraie nature des souffrances que vous infligez au peuple congolais. Car on ne joue pas impunément et trop longtemps avec un peuple et son peuple. Destin. En effet, toutes les magouilles politiques et toutes les démagogies sont appelées un jour ou l'autre à se briser devant la colère populaire et les sursauts patriotiques du peuple. Depuis 1960, jamais les défis que le Congo doit relever n'avaient touché aussi profondément ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir. Très chers compatriotes, le chef de confession religieuse et particulièrement la conférence épiscopale du Congo, ainsi que les autorités spirituelles de l'Église du Christ au Congo, ont compris que ce qui couvre dans notre pays, c'est un chaos général aux conséquences apocalyptiques. Aussi, à corps et à cri, ils ont demandé l'audit du fichier électoral. Ils ont proposé l'audit citoyen du fichier électoral et ils appellent à l'inclusivité du processus électoral, à la proclamation des résultats bureau par bureau afin de corriger des erreurs du passé et consolider la jeune démocratie congolaise. Conscient que le peuple congolais place un immense espoir dans ce nouveau cycle électoral et dans le fait que son choix soit cette fois-ci respecté et convaincu que le processus électoral tel qu'il est mené par M. Denis Kadima présage une nouvelle crise post-électorale.
je ne pouvais pas laisser cette noble et patriotique bataille de nos chefs spirituels se diluer dans le flux médiatique sans lui donner plus de relief. Voilà pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour féliciter et remercier chaleureusement les églises catholiques et protestantes, sans oublier certains partenaires internationaux du Congo qui ont rejoint cette bataille pour un processus électoral transparent et crédible. Au nom du peuple congolais qui souffre en espérant que les élections apportent au pays la paix, le relèvement social et la prospérité de l'économie nationale, je salue les combats de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo pour la recherche de la cohésion sociale comme gage d'un processus électoral sain et extincteur des périls qui menacent la survie de notre pays. Je me permets de leur redire ici, par ces mots, que je veux solennel et au nom du peuple congolais tout entier, combien nous sommes fiers d'eux, fiers des valeurs d'intégrité, de vérité, d'amour du prochain et d'exhortation à l'unité nationale et au sursaut patriotique qu'ils portent. J'ai entendu leur appel et celui du peuple congolais. J'invite le militant des partis politiques, les syndicats, les étudiants, les associations de la société civile et les activistes des mouvements citoyens à se faire l'écho de ces messages de remerciement et d'encouragement aux chefs de nos confessions religieuses afin que leur combat gagne en puissance d'imposition d'un processus électoral sain, inclusif, transparent et crédible. Vive la République démocratique du Congo, une, indivisible, en paix et en prospérité économique. Que Dieu bénisse les Congos. Je vous remercie. Voilà. Bobé de la Martin, Fabien Maboko, pour un message, et puis conseil, na Félix et Tshisekedi. Oh, tout le monde en a noté. Na papa Étienne Tshisekedi. Donc, un opposant hors commun. Hors du commun. Ne qu'on a mis son Martin Fayou. Tiens, tu sais que. Kouazara qui n'a bon moi. Nani a koye bisanga papa Étienne Tshisekedi. Conseil a kena na kope sa na Mobutu, na Kabila, le père na Kabila fils. Ezate. Ata mon côté, Ezali. Donc, awa, ne qu'on Martin Fayou l'azali opposant. Le quoi ba opposant yon. Donc, c'est ce que je veux quand même, ma boko pour la conseil, à outil que je Félix et Tshisekedi, parce que je ne peux plus. Il y a mon Félix et Tshisekedi, à travers une vidéo VAR. Alors, ma peuple moto à Tiaka, peuple moto à Longola. Donc, le lot de la Tolombo qui l'a mis, peuple à Télémi. Aïe, mais si Félix et Tshisekedi, hé, monsieur, Tiana Nouboui. Donc, peuple, on a ma sakana kana été. Et c'est que bandeko oyo yo suko yo opposition avant que na marana biso accord pour yango de conclusion na biso ye mission ne bandeko na biso ya opposition et c'est que ba sans na bomoko en tant que moi là déjà ne ko Martin Fayou lui semble qu'a ko déposer Denis Kadima ko déposer Moïse Katumbi a ko déposer et sengeli na bango ba yo ka peuple congolais ne ko moka benginga lola le maman pibito solo la mingite 5 minutes kaka boye bisela biso ne ko Martin Fayou ne ko Moïse Katumbi ne ko Denis Kadima o moni kuna na ngambo assemblée nationale ba ke ko lamba loi na bango mbango mbango o ba benga ngo loi d'intimidation o loi chani loi commerciale pour la relouka ko étouffé ba candidat mosusu oh non ye kuna azali congolais ye kuna azali congolais moto siko bango na ngambo na bango ko yokanga bien moto na ngambo na bango ba kokoka jamais ko nationalité na ye na doute ezali ndeko Martin Fayou
Oh, te yazali congolais, yazali congolais te, yazali na nationalité nini. Yé d'ailleurs même à ko détenir kaka nationalité libanda te boko lo alelo. Na Martin Fayulu bako koka kolo ba yango te. Candidat, ndeko Martin Fayulu, candidature na ye sengili ye zalaka wana. Bon, mais si quand yosso bango bako kende ko sala soki nini tout ça et tout, na moni bato moko kuna ba telemi bandi kolo bo non. Denis Kadima d'ailleurs même, azalaka congolais te. Que Congolais, ils n'ont pas si bon abisso. Ils n'ont Congolais, c'est que les cas où tombe la moutou, qui bango baya raka ne gongo. Et gongo la bango est en bola akabo. Pour la koya kongo la. Ote, Denis Kadima Congolais. Depuis Denis Kadima banda komema, les soungi na yé na peuple congolais. Intelligence, il y a docteur Mukwege. Pardon. Qu'est-ce que je dis? Depuis le docteur Mukwege, Denis Mukwege, abanda comme mali sungi na ye na peuple congolais. Et si bon mona et si kamoko, congolais moko a telemi a lobi Mukwege azali congolais. Là, ce sont des gens pas à la ka utilisés par le pouvoir. Les gens utilisés par le pouvoir. Denis Mukwege, oui, merci Ndeko Christian Mabunda, ma bande. Denis Mukwege, de quoi banda comme ma soutien na yé no peuple congolais. Mon kolomo kote toyo kambo to a telemi a lobi ke Mukwege azali ko. Ata mon kolomo kote. Mais mon kolomo Mukwege a telemi a lobi fini. Nenge ba ivoirien ba lobara fini popo a gao. Et si li maintenant fini la récréation. To telema bisonyo sosiko pour na ko zwa makambo na maboko avec intelligence. Le quoi les ala qui plus na bateau tant que mon souba na diplôme ya lokuta ba ko kende ko koti sa po azo akaka sa la cop na yena ba ndeko na yena ba ninga na ye ya Belgique les lotos so siko mo la mobali o to pende ko oyo azali na moi ba niveau mo sou élevé et si on a pe na libande ezali avancé par rapport ya carnet d'adresse o bo kende ko luka na Rwanda. Donc, zonde kowana, ça est pouvoir pour que tout le monde en a mon ambition, l'olenge ni makambo eko kende par rapport à mboka na biso République démocratique du Congo. Oye eko traîne, lelo le pouvoir traîne dans la rue. Bato babimi kuna, Denis Mukwege n'est pas congolais. Denis Mukwege n'est pas congolais. Bon, autant on va yébisa rabino Denise, nyake wa congolaise. Botelema jamais. Bosala ni. Tant que tu es rabino que Denise n'y a que Rosa Congolaise. Bolo Barani. Mato Nyon Sobate le Marabalobi Denise n'y a que Rosa Congolaise. Pona Obo Koloba, pona le docteur. Wana. Ba fo bruit, Zali. Félix, tu sais que Libatali Sarabis a 50% Congolais, 50% Angolais, à travers sa mère. Tomo a déjà motomoko a télémi poya Kolobila. Jamais. Mais le col à moto a zali na ba valeur. Moto a zali na nyonso oye koki ko tombo la tango mosu Congo lobby avec carnet d'adresse. Mais tala nenge ba telemi. Yako siko nga nga mbolonga na kolo babo. Nana pa kinde ko Martin Fayulu le sengelite a postulé. Moto a ba komi kota li sa ba lobby. Qu'en est-il? Pona bande ko oyo yo. Baza ba accompagné de ko Martin Fayulu. Ti esika ba komi. Ndeko Martin Fayulu ndenge ni akoki ndeko postulé sans alana ba député. Bandeko nanga Félix et tu sais qui a postulé ki boyoka ndeko Paul Chilou. Alors ba bazala ki ka sona 4 soki 10 députés. Et sengela ki ba sala soki ndini ba kenai ko sala pour que ba zo moi majorité à l'okuta o ba kenai ko zo. Donc ça dit pour Martin Fayulu a ko sala. Total ango na liso ya moto a ko trahir peuple té. Et ko sala moto na moto ko sala en fait na avinaye na moni pende ko na biso Péro Louara pesi pe o ezali avinaye to bo manate en fait pour na ba avi ezaka ba avi pour na moni bato mosusu na ba commentaire de ko Martin Fayulu a ke de ko postuler misusu ba lobi a trahir misusu ba lobi o non inconstance misusu ba lobi moto na moto ko loba o ya ko ki ko loba mais l'intelligence ya ko mona mosika ande ya mo ezali. Puis tu as un liso, on a un liso, on a un liso. Par rapport à ce que liso, il y a un 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 liso, il y a un
Depuis makambo ebanda te mokolo ya lelo. Parce que même entre le candidat et opposition, bango moko pe kuna na kati, bango mosusu misusu pe bazali dérangé. Il y a comment la présence ya Ndeko Martin Faye. Ça on doit se le dire. Parce que le politicien va vivre à peine à quand il y a hypocrisie. Cette hypocrisie-là, il y a moins de hypocrisie au photo que de voter les miens. Je t'aime moi non plus. N'est-ce Félix et tu sais qu'il y a le Kabila. Tant qu'on va matisser vers Naye à Champagne, et Félix en a vers les lots et à Champagne. Tant qu'on va matisser vers Naye à Champagne, à Kingakat. Alors, Kabila, je t'aime. Kabila, lobby moi non plus. Voilà, c'est un peu ça. Moi, de mon côté, na kota na mona nenga ya oh non azangi constant cet été oh Martin Fayulu est inconstant et surtout vu Martin Fayulu est inconstant ben batrolobani c'est le politicien qui a tikali mosika ya pouvoir ya Félix Tshisekedi pour maintenir charisme nae il a gardé son attitude autre par rapport ya pouvoir ya Félix Tshisekedi combien de personnes va s'emballer na kati ya pouvoir. Nous l'avons dit dans la vidéo de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a fait une déclaration dans TV5 Monde pour dire que le pouvoir de Félix et Tshisekedi, un pouvoir d'Il Kabila, Félix et Tshisekedi, moto a gagné qui va élection, c'est Martin Fayulu. Mais un bon matin, Ndeko Martin, Jean-Pierre Bemba, à la mouki, à Kéyou Kokota, il y a Sani, il y a Félix et Tshisekedi. Na pouvoir na yango atali ata mbinga na ete atali ata igwe otobenga ki lobite atali ata ce pays na yo auta ki te pona ko maintenir charisme na e ko garder attitude d'un politicien de l'opposition au lobby peuple congolais qui ko pesa yo raison confiance et lelo andimia ke ne ko sangala na kati ya poto poto moi je ne sais pas politique ya ngonde nge etambolaka soki ya ngonde tobengaka o bango moko balobaka o politique ezali dynamique dynamisme ya politique soki ezali o wana seke ngana otika akosala politique ete parce que j'aime le respect na parole ah oui hein soki dynamisme ya politique bozwa var nanga o bo garder soki dynamisme ya politique ezali ko dénoncer que l'obina liya sani moko na yo c'est que ngala osa la politique était na otika la journaliste à vie je ne peux pas comprendre oh yebo Félix et tu sais qu'il y a aloba à travers une vidéo on dit des choses et demain on change non je ne peux pas comprendre ça si vous êtes réellement honnête avec votre conscience donc romona ke loko mususu neti ya bongo osa la yango te makambo neti ya lolenge wana okosa la yango te. Lelo maman Eve Bazaïba. Valeur naïe et Kiti à travers ses paroles. Comprendre encore un tout petit peu un homme, mais pas une femme. Pas une femme. C'est bien qu'on a gardé silence, n'a pas l'issue et l'autre côté. Pas une femme. Venir nous dire encore que nous, MLC, nous sommes toujours du côté, ceux qui disent bon côté de l'histoire. Nous, MLC, nous sommes toujours du bon côté de l'histoire. C'est encore grave comme déclaration. Elle ne pourrait même pas parler. Elle devait garder son silence. Et ça va être important pour la maman Eve Bazaïba. Mais bon, pour un homme, on peut encore un tout petit peu comprendre parce que instabilité, côte à des fois par rapport à ma maman ou à ça pour gérer, on peut comprendre. Mais pas une femme. Mettez la Martin Fayulu maboko go limbisa. Mettez la Martin Fayulu maboko a garder o babengi. Au moins ba moment oyo ya ba élection de to kena ramona to kabwani entre nous les journalistes par rapport ya ba point de vue et c'est ce que je ne veux pas. Nga olinga toujours kozala bien na bande ko nga nyonso. Na o ba ko soutenir Denis Mukwege. Na ba oba ko soutenir Moïse Katumbi. Na ba oba ko soutenir Martin Fayulu. Moi, je serai avec Bino Nyonso. Yango Moninga na lingaka toujours koza la libre, indépendante. Et ce que osa lié na kati ya nani moro politique, orokoma na niveau moro bwe maramosu so kokolo bate.
Ben, ce qu'on commet à niveau, on commet limité. Moi, na lo babo ezate parce que motoana zaina na Martin Fayulu. Parce que na lo babo ezate ponga na zaga na Denis Mukwege, tona Moïse Katumbi, tona Félix et Tshisekedi. On m'a dit que moto a commet limité. Yango moi, ben, ne qu'on a vu ce belé au bazar. Na Félix et Tshisekedi, les lo ba perda ba valeur na bango à travers ba communication na bango. Comme ne qu'on a vu ça, Eliezer Ntamboué. Tant on a besoin de la vidéo, depuis qu'elle a zané commis, il s'appelait que moi je suis des leaders PS. Mais en porté tellement Nakatiya, comment on appelle Nakatiya opposition, et zala qui de journalistes ont engagé Motomoro Tatikala pour mon image. L'occultant la politique, Azala qui déjà militant et leader PS, le roi de Kouéliézer, mais. Ba kolinga ko afficher en côté nanani mais le coup la politique a affiché quand même tellement la sima na ye IDPS et tout a ko finga Kabila pour na kotali c'est que moi je suis avec IDPS mais aujourd'hui le journaliste c'est ce qui a l'acquis cette attitude que je suis avec Katumbi bon eh on a basomba et pas Katumbi oh. Mais l'homme ba journaliste ba zala ki na IDPS et zala ki problème te journaliste zala ki na IDPS les lots ce qui au bio non nana ko accompagner de Martin Fayulu. Eh, on a journaliste à Martin Fayou. On a accompagné Bato à Kabila. Eh, on a journaliste à Tingakati. On a accompagné Denis Mukwege. Eh, Bangokuna Bato à y a Denis Mukwege. C'est ce que je ne comprends pas. Donc, vous pouvez être avec Félix et Tshisekedi, c'est bon, ça passe. Au coquet, on sait la djalélolisme, il y a Félix et Tshisekedi, ça passe. Mais sans qu'on sait le djalélolisme, pour d'autres personnes, Maman Jacquina, je vous salue. Et commis problème. Au coquille qu'on s'en a yangote. Et c'est regrettable de voir vraiment cette intolérance na niveau. Il y a bande konyonso, ou bazali bongo na kati ya politique, tope ba djalelo liste. Moi, démocratie pe kota. Et koza la mala mouni. Bino bo kumisara, boti kape ba linga mousouba kumis. Bino, oh, basomba bango, bino pe basomba bino te. Oh, ye basombi ye, mais bino pe basomba bino. Soi basombi yo te, reklame bongo no, parce qu'on s'en a djalelo liste. Ndeko la biso Fabien Kuswanika a ko soutenir candidature ya Denis Mukwege ndeko opero luwara nanu na yokite a ko soutenir nani mengana a ko soutenir bato nyonso a commencer par Martin Fayulu Denis Mukwege Moïse Katumbi bato a Kabila babaki bango bazate donc moto nyonso a ko participer pona ko kweisa Félix et Tshisekedi ngana a ko soutenir voilà c'est ça je pense que le message est passé. Boyoki ndeko Martin Fayulu message naye à Tindi et tout na Félix et pardon na Félix et Tshisekedi voilà. Toke na sujet na biso ya mokolo ya lelo o to telemi na likambo etali bongo e senge na rappeler bino pe ke mokolo ya lelo ba uti ko publier liste ba candidat voilà. Félix et Tshisekedi ya buka lokuta na ONU. Alobi o non ba uta ba publier ki déjà ba ko publier ango lelo bo ta la discours ya Félix et Tshisekedi de l'équipe au colonie bo vérifier discours ya Félix et Tshisekedi de l'équipe au colonie depuis le 20 ndeko eli sois calme landa ba information zwa kimia landa ba information yo linga ro landa ba information te ndeko eli zwa kimia landa ba information voilà élection 2023. Sur décision de la Cour constitutionnelle, voici la liste définitive de candidats députés nationaux dans la province du Tanganyika. Ba publié presque dans ma province Ebélé Penza. Ba publié Ebélé. Mais Félix, tu sais que dans l'Obaka déjà ba publié. Nous on ba publié quitté. A kobuka lokuta même dans makambo etali élection. Donc Félix, tu sais que même hier mo raza informé té. Na makambo e koleka na kati ya République démocratique du. Et les gens veulent que to vanda to banda ko croire na ba élection ya Félix et Tshisekedi. Oye ko sala na 2023. Tota kaka ndende ko biso Fabien Lobara tala ku Zulu tala ku Mamba tala ku Zulu tala ku Tseki. Ekimi limbisang. Voilà. Na accord ndenge na ebisa kibino likambo ya ndeko nanga
Eko Belisa, quand il y a Félix et Tshisekedi. Bonjour. Bonjour, monsieur Jeff Ngoy. Pourquoi vous vous êtes exilé? Mais il n'est un secret pour personne que le régime Tshisekedi refuse toute contradiction, toute critique positive ou tout débat. Nous assistons à une gouvernance des faits qui viole même les fondamentaux d'un état de droit. Dans ces conditions, vous comprenez que l'environnement politique est verrouillé et l'opposition évolue dans une sorte de bergerie où règne la loi de l'illégalité et du banditisme d'État. Perquisitions illégales, arrestations arbitraires, rafles et confiscation de toutes les libertés. Ma situation était d'autant plus inquiétante qu'il m'a été retiré toute la garde et donc toute protection. Je vivais sous des menaces permanentes et de par des services secrets connus et inconnus de M. Tshisekedi, ma sécurité n'était plus garantie au pays. Est-ce que vous n'êtes pas en train de chaîner le régime en place avec vos déclarations incendiaires, en dépit du rôle que vous aviez joué dans l'organisation des élections et qui vous intime un droit de réserve et de discrétion? Déclaration incendiaire? Non, je dis juste la vérité et je dénonce. Nous taire tous devant la dérive à laquelle nous conduit M. Tshisekedi, c'est hypothéquer le pays. Le pays est en danger. Aucun engagement pris par le président de la République n'a jamais été respecté. Tenez, Genève, Nairobi, FCC Cash et autres. Non, la faute revient toujours aux autres. Le président pense que lui n'a que des droits. Il n'a jamais d'obligation. Alors, on est en temps de mort. Voilà, mes téléspectateurs de MM TV, émission est comme un lundi. Donc, il y a des sikos tout en accord. L'homme a dit ça que Félix et Tshisekedi accord et ça dit coexister. L'homme a dit que l'homme a dit que à travers la sortie médiatique. Accord et ça dit coexister, oui, n'a dit ça qui bino bonjima quitté. Enfin, accord et en goyo. Donc, mais qui qu'on vérifie. Un document très authentique. Nani a lancé qui défi Bokondi Mboka. Défi naye a lancé qui yango e komi na suka boye bisa Bokondi Mboka azonga lisusu. Na même micro a lobela ki di boso aba même presse pour kaya koye bisa biso siko signature oyo ezali ya yeto ya yete. Bokoyo ka susu batoyi de pèse. Sujet oyo batoyi de pèse babenda bango matoyi ba bisa bango abi moto moko de kolobela yango. Moto moko te a kene na kolobela yango botika bango baloba biso to kokipe bango te tozan a pouvoir. Si Félix et Tshisekedi est honnête, a zongi se la Martin Fayou le pouvoir, a démissionné. Pour la kota lisa na peuple congolais ke ya azali honnête. Va yango. Na ebisa kibino mokolo a lobi, Félix et Tshisekedi a signé ka accord. Na trois témoins, oh, ezali ba président africain. Le président africain, Natangela Kibino, ba président africain, Natangela Kibino, ndeko, ndeko, babi, nangana, lobarambingi, ndeko, ndeko, ndeko. Je suis désolé. Voilà. Yo, oh, bozali komona, Félix, tu sais qu'il dit, asinya na Kingakati. L'accord est l'obinini. Bokoyo kanatange la bino. Accord Félix et Tshisekedi na Kingakati. Pona bandeko nyonso ba yebite. Tango yi de pese e koloba. Ba koloba parce que ba yebi. Ba koloba koloba te pardon parce que ba yebi. Voilà, l'accord est là. Comme pour la stabilité et la paix au Congo. Les sous-signés, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, autorité morale du regroupement politique CAF. CAF, pardon, CAP pour le changement, CACH en sigle, ici dénommé premier sous-signé d'une part. Et Monsieur Joseph Kabila Kabange, autorité morale du regroupement politique Front commun pour le Congo, FCC Tigle. Ici dénommé deuxième sous-signé d'autre part. Boyo Kasiko Maramoni et Komami. Napoussani, pour que Boyo Kabien.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit. 1. Boyoka. Pour une passation de pouvoir civilisé, une alternance durable et pour la stabilité et la paix en République démocratique du Congo. Virgule. Les soussignés de première part acceptent les conditions suivantes. Boyokanga. Article Aliboso, article premier. Unanimité totale pour les clans Kabila. Immunité totale pour les clans Kabila, la famille et dignitaire de son régime. Pas de poursuite pénale pour tous les crimes possibles commis. Crimes de sang, crimes économiques et autres. Article 2. Concertation entre les deux leaders. Tshisekedi, Kabila, avant toute mise en place, notamment dans les services de sécurité, entre parenthèses, armée, police et services de renseignement. Magistrature, entreprise publique et territoriale. Article 3. Soutien lors de la présidentielle de 2020. Par la famille politique de Tshisekedi de la candidature FCC, famille politique de Kabila. Fait à Kingakati, fait à Kinshasa, entre parenthèses, Kingakati, le 8 janvier 2019. Signature de Félix Tshisekedi, signature de Joseph Kabila, comme témoin. Naebisa Kibino de Jean Bokolo Alobi, le premier témoin, Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya. Deuxième président, Al-Sisi, président de la République arabe Égypte. Troisième président, Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine. D'autres témoins nationaux, Boyoka, Bolanda bien. Premier témoin, Delphin Kaimbi, le général. Célestin Mbala, général. John Numbi, général. Amissi Nkumba, Jean-Claude Yave Kabeye. Voilà, c'est donc le vrai document. Le président Félix Tshisekedi a fait le choix intentionnel d'une fuite en avant, selon Nga, pensant ainsi tromper l'opinion. Malheureusement, Akeiko nié où ils allaient document, où ils allaient coexister, et peuple congolais aujourd'hui a su vérité de cet accord. Il a signé l'accord. Namakambo ezala ki grave. Oyo ye moko ayeba kite lolenge nini akobandela pa kotikela. A se retrouvé na ngambo na ye azwa ki deja singana kingo ndeko Jean-Marc Kabund akeyi na kosunga Félix Tshisekedi pona kopesa ye majorité à l'okuta. A pesa ye majorité à l'okuta pour que na ngambo na ye ndeko Félix Tshisekedi a kende ko zwa siko openza makambo na maboko. Yango moni tango UDPS ezalaki na début agitation ezalaki sina ngambo na bango parce que ba yebaki ke ba koluka ndenge nyonso ba kende ko longwa na kati ya maboko ya accord o basala po bazwa pouvoir. Il a accepté tout ça pour avoir le pouvoir. Bota la niveau UDPS kende na ko koko ko trahir. Donc ici maintenant, et c'est que il faut que ne koyebi sa mabato ya UDPS. Kota la accord oyo, pona moni bato ya UDPS ti sikoyo,
bako suka kaka na wo etali écriture koloba bako kokoka su koloba te commentaire ezalite na yebi saki bato ya yi de pèse lolenge makambe kokendele lobby après lobby boko za la lisu ne loko mosusu akoloba te boko banda kokoka lisu koleka na télévision te ke makamba kolobe kozanga bino wone ezali akor na talisi bino. Mais ce qui est dans le kende, na esika ba déclaration à bato ya FCC. Bozo boko ki kondi ma moto azali ni ministre, azali na immunité ata ndeko Magie Henri. Kende ko signé même Félix et Tshisekedi ko senga e débat télévisé. Et puis sur quelle chaîne de télévision? RTNC, s'il vous plaît. Ndeko Henri est allé plus loin que ça. RTNC. Et puis, à Talissé, à l'objet, je suis victime d'accord Wana. Donc, le premier prisonnier, Guillaume est allé dénonciation d'accord Wana. Nga, Henri Magie. À Talissé, à travers une vidéo, on a diffusé la Kibino, pas plus tard que quelques jours, de quoi Henri Magie, à Talissé, qui est Boyokake, Makamoni, à l'objet. Et à Outikosa, là, une deuxième vidéo. Na kota li salobi depuis asengi accord asengi débat télévisé moto moko ta ko se manifeste na ngambo ya IDPS IDPS lingaka koloba IDPS lingaka ba pesa bango ton ba réagir ba loba makambo nyonso ba ko balingi mais likambo etali sujo IDPS e koloba tan IDPS boza wa le militant le jale lo liste na moni kuna kaka oh mama sifa kendaki. Oh, John Enumbi. Mais le sujet où est très, très important, très capital pour les Congolais. Pouvoir voler. Où est allé qu'on pouvoir nabino na balabala. Pour n'a kota l'isake, boiba bokondi ya Martin Fayou. Martin Fayou a été traité de tout le monde. Et le nom n'a mon nabino. Bozonga quand même la télévision. Boko yko ki ma télévision na lole ke ote. Bonjour dans la télévision, quoi, kota lisabiso, vérité, obino, bozaine. Félix, tu sais qu'il y a l'obina biso. Que yé, azala ki na ba résultat na yé. Tant wa yé, a yé, bisi a l'obio, non, mais, n'engeni bino, bobengi singa, awa, soki bolingi wo changai. Premier ministre, ya candidat na bino, nga la kolingate, parce que ngai, na gagné ba élection. Il avait, j'ai mes résultats. Ba résultat, Félix, tu sais qu'il y a zo ki en wapi. Pour moto a publié ki ba résultat, za ki nan. Si quoi, oh, y a Félix et Tshisekedi, nani azala ki wana. Y a pas azala ki 40 000 smartphones. Ce qui est smartphone, hein. Voilà. Donc, pour vous dire que, ma déclaration au bateau, y a FCC et Bélé Bassali. Félix et Tshisekedi, ce n'était pas le moment. Aya Kolobela Likambo. Un sali erreur grave. Oh, y a kozonga ni sous na simate pour na kobongisa. Nana ki sa ki bino, na visi bino, lobi natali sa ki bino. Accord wana ezala ki signé par trois présidents lelo na tangeli bino yango mais il ne peut sa kosa la bino ba promesse wa kokukisa te Félix et Tshisekedi nous a promis tellement de choses depuis qu'il est au pouvoir atikala ko réaliser te bongo ba résultat na ye wana so tolobi to senga yango bokonzi ya mboka pe sa biso to publier to la ki sa peuple congolais que ah mokonzi Félix et Tshisekedi azwa ki penza na ba élection a ropé sa biso yango nibisa ki bino monsieur Jean Bouyou l'ancien conseiller. Il y a Joseph Kabila. Mais quand est en doyeke, dans la qui s'abîme nos vidéos. Oui, notre résolution. À travers cette vidéo. Malgré que son amour est quand on a déjà mal à mon mingi mingité, mais ce qui est au tiers maintenant, maintenant c'est un volume à ce scandale. Il a. On avait plus le deuxième. Le deuxième, troisième. Alors, j'étais conseiller spécial et je présente surtout ce conseil. Qu'est-ce que vous pensez? Aujourd'hui, nous sommes là parce que nous avons élaboré des textes communs, constitutionnels, notre texte de pouvoir, suite à la guerre. Mais comment si nous voulons initier une démocratie congolaise, nous pouvons brûler nos propres textes. Et de là, on est parti. J'étais envoyé pour négocier avec Fayou, il a dit, moi, pas question de négocier. Je passe au pouvoir, vous allez en prison. Voilà. Bon, ok. Martin Fayou l'a dit ça, Bango. Je n'ai rien à négocier avec vous. Je passe président de la République, vous irez tous en prison. C'était ça la déclaration de Martin Fayou. Et la personne à Kolobango, l'ancien conseiller, il y a Joseph Kabila.
Mais la personne qui a dit, hey, donnez-moi tout, hey, moi je suis là, je suis pour. Vous resterez, je ne veux pas fouiller au passé. Et où t'as wapi? Nakati accord. Je ne fouillerai pas au passé. Je ne fouillerai pas au passé, et où t'as wapi? Nakati accord. Bokani, si phrase, on a Félix, et tu sais que derrière là, qui n'a pas l'objet que je ne fouillerai pas. Non. Il était là comme ça, Zotara, hey, ce qui n'a pas l'objet que je ne fouillerai pas, et vous allez moto. Si vous moto, vous allez à l'ingi. Akene ko kloué, et ça va rendre ko matata ponyo. Parce que si Félix est vraiment, bon, de toutes les façons, avançons. Toyo. Je vais passer la mission, je vous appelle la paix, ça va. On va aller voir avec Félix, avec des interventions aussi de la mer. Je vais passer au mousseau, je vous appelle la paix, ça va. On va aller voir avec Félix, avec des interventions aussi de la mer noire, les mamans. Et de là, non, on est parti. Il y a homme de caractère. Il a dit, moi, pas question de négocier. Je passe au pouvoir, vous allez en prison. Je vais passer la mousseau, je vous appelle la paix, ça va. On va aller voir avec Félix, avec des interventions aussi de la mer noire, les ambassades, les pays, tout ça, l'échafaud, donc ce régime qui est devenu. Mais il y avait toujours cette question de la décision. Et il y avait aussi cette question des militaires présents. Eux, ils veulent continuer, ils veulent garder leur privilège. Ils vous disent, non, voilà, nous pensons que nous allons braver la situation. Mais il y a la voix intérieure qui dit aussi qu'il faut respecter ce que vous avez décidé. Alors, ce que je voudrais conclure, c'est pour dire le nécessaire accompagnement des évêques et de l'Église. Aujourd'hui, je me réjouis beaucoup parce que le cardinal parle parfois complètement, sans peur. Il brave les réalités politiques. Ah, le cardinal a parlé. Je ne pas voir cela. Je ne parle pas de sacré cœur à Christ, ça, je me réjouis qu'on est nombreux à être à cette conférence, dont notre curé lui-même. Et ce sont discutés. Deuxièmement, la Reine Cholet parle. Et il nous donne l'orientation qu'il faut prendre. Parce qu'aussi en politique, il n'y a pas les chrétiens. Il y a les autres tendances, les partis politiques. Il y a ceux qui estiment aussi bien conserver le pouvoir. Et il y a ceux qui sont dans d'autres cultes. Alors, il faut toujours savoir. Qu'est-ce que notre Église pense? Comment est-ce qu'on peut orienter l'action politique? Enfin, au Parlement, aussi, on a le même problème. Moi, j'appartiens à une minorité au Parlement et à une majorité. On nous appelait autrefois nous, majorité mécanique. Nous aussi, on nous appelle aujourd'hui majorité mécanique. Parce que dès qu'ils veulent un point de vue, ils le font passer. Mais là, au Parlement, il y a une crise assez grave parce que on a parlé de l'affaire de 21 000 dollars. Comme je suis député, il faut que je vous en dise un mot. Mais je vois que nous continuons avec la leader. Sinon, la soeur va se fâcher. Voilà. On a des Jean Bouillou, ancien conseiller, il y a Joseph Kabila. Il a même dit ça à vous, Félix, et tu sais qu'il y a Koloba. A bête la kémission déjà historique, il y a pouvoir, il y a Félix et tu sais qu'il y a Genèse, il y a un petit apocalypse. Et les lots, nakati ya makambo nyonso, sengeli bato ya yido pes ba kene na kouzo na moto koyeba, ezalini. Comment moto a gagné ki ba élection te, a koki ko gagné na 2023? Et kon banga wanande o komona ke, bato ya yido pes, ba lingi te fiché na bango électoral oye kene na, koza la audite. Parce que bah yébi qui n'a pas un abango, soit qui va mettre car à condité fichier wana, et que ça la bah élection moko togochi ango na banabala et que les canaté et que simbaté. Donc Félix, tu sais qu'il y a quelqu'un au fond là, mon fini qui a bilo comme moko boué, et pola, et pola. Donc pour comprendre bien moko que moto a baby si. Moto a tient à qui qu'on tombe la sujet. Et pourtant, Nabato Bazala qui kuna na Assemblée Générale, 78e Assemblée Générale, ba président est belé. Tomoni bango, nengi bato ba ko partager, ba vidéo na bango, les Africains, Bazala qui branché na Assemblée Générale.
Ils ont partagé les vidéos locaux là. Il y a président, il y a moto à représentant qui, pardon, Ibrahim Traoré, président, il y a Burkina Faso, na moto à Yaki, na compte, il y a Guinée. Ma vidéo na bango ezali partagée, mais pas de notre président. Pas de notre président. Ce que ma discours na ye, et pour le bel loco mon côté. Et pour ça, les locaux, mon côté, ni chaud, ni froid. On dirait qu'il y a un problème dans les mots personnels. À lieu place, il y a côté la biche aux alliés. Problème, il y a République démocratique du Congo. Donc, n'est-ce pas ça qui bino depuis mon colo à lobby, compromis à l'africaine et salemaki. Et bien, il y a un compromis à l'africaine parce que l'occidentaux, il y a un côté à quitter. Et ce que on l'a dit, Yves Le Drian, on a quand même na katikati na yango lobby, et zali compromis, propre, il y a République démocratique du Congo. Parce que le lenge makambwane et salemaki, c'est impossible pour la monde. Il y a un peu moto ou moto. Et zo mou l'on appelle la mise sur batonien son, mais Félix et Tshisekedi a été imposé. Mais lelo Félix et Tshisekedi tourne le dos. On l'a kosou kaka kana ko tourne dos na ye. Non, non. À ceux qui ont été, à l'obité, et c'est qu'il n'a pas la bras de fer. Président de la République a ça la bras de fer, t'es. Président de la République a ça la bras de fer, t'es. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit bras de fer, na peuple, peuple, ou avons dit vérité. Déjà, ce qui ont dit, c'est que témoin. Nous avons dit c'est la bino. Nous avons témoin, ou avons dit que nous avons y a document. On commande que Félix et Tshisekedi. Déjà Kayimbi a koufa. Ce qui est au de la généraux nous sommes basali wana. John Numbi, azali libanda. Ba généraux au batikali wana, au ba ebi vérité. Ba yav, basali na prison. Atika moto mo côté libanda. Mingi au pe basala kana yo ba yeba ki penza affaire wana ba koufa na COVID mystique. Donc pour la rebi sabino que il y a tellement de choses derrière ces accords, oh Félix, et tu sais que dit moko kakanda yebi vérité na yango. Cet accord est tellement authentique que Félix, et tu sais que dit akokende ko wanga na yango esika mon côté. Il a accepté oh balobaka loi oh ezali contre nature, accord moko contre nature. Ndenge bande ko na biso et opposition balobaka tout ça pour un pouvoir oh ezali éphémère. Oh, lobby à Kolongwa. Il a accepté de trahir. Bah, oh, yoyaye, pour n'a qu'on un pouvoir. Oh, et qu'on humilier tout aussi. Ce qui est le passage de Félix et Tshisekedi. Mokoye Bisanga, que retenir de son pouvoir? Que retenir du pouvoir de Félix et Tshisekedi? Ce qui n'a tout n'yom au tout n'a qu'on a réponse, c'était. Au qu'on a la réponse, c'était. Au qu'on retenir ni n'a pouvoir à Félix et Tshisekedi. Yo retenir ni. Tu peux prendre tout ton temps d'insulter chaque jour, mais tu n'es pas payé. Au kofing, pour la bateau, mon sou va avancer. N'a niveau à poche. Yo, zapang, mon sou à ta voyage au salakate. Mon koti kalawana a vie pour les insultes. Ne konabiso, Henri Magie, ako benga bino na débat. Boko se manifeste. Bonjour. Nous revoici à ce qui est devenu notre rendez-vous quotidien, ou plutôt notre rendez-vous habituel. La semaine dernière, nous avions parlé du contrat, des accords qui liaient le président de la République, qu'il a renoncé ou qu'il a renoncé. Chers Congolaises, chers Congolais, nous allons parler de ces accords aujourd'hui. D'abord, commençons au début. Premièrement, à 3 mois de la fin de son mandat, le président est sorti de ce qui devait être le silence presque constitutionnel dû à la réserve de la fonction. Mais à 3 mois de la fin de son mandat, le président sortant à la tribune des Nations Unies, au siège des Nations Unies, à New York, aux États-Unis, sort de son silence et va dénoncer des prétendus accords, selon lui, qui n'existent pas.
sérieusement, à 3 mois de fin de son mandat, quelles ont été ses motivations? Nous allons en parler. Premièrement, Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, qui, l'homme de fameuse compromis à l'africaine, Azali Boma, Paul Kagame, président du Rwanda, président de l'Union africaine, lors de fait des élections, Azali Boma, il a contesté même. Emmanuel Macron, président français, l'homme qui veut mettre fin à la France-Afrique, Azali Boma, Corneille Nanga, l'organisateur des élections, président de la CENI, au moment des faits, co-signataire ou co-auteur de ces fameux accords, Azali Boma, les évêques catholiques, la CENCO réunie avec plus de 67 000 observateurs électoraux à travers la République, Bazaba Boma, Henri Magie que je suis, Henri Magie, responsable monitoring des 127 000 témoins du candidat Chadari, Azali Boma. Chers compatriotes, Congolaises et Congolais, le président sortant est bel et bien définitivement sortant. Je dis bien, le président sortant est bel et bien définitivement sortant. Le 25 janvier au matin, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne sera plus président de la RDC. Point. Pourquoi? Le type est lié par deux accords. Deux. Premièrement, c'est lui signé avec la EAC. Thibault Omona a présence, il y a un militaire, il y a EAC, la Est. Ils sont là pour faire respecter ces accords. Premièrement, ces accords, ce sont dit les accords de Nairobi, qu'il a signé lui et Vital Kamerhe. Que dit ces accords? Vital Kamerhe sera son premier ministre et à son tour, il sera candidat pour 2023. Et l'UDPS et l'UNC vont soutenir la candidature de Vital Kamerhe en 2023, donc dans 3 mois. Le président aurait été obligé de respecter ses accords, mais qui n'a pas fait comme dans ses habitudes. Il n'a pas respecté la parole, il n'a pas respecté la signature, mais la EAC et le Kenya en particulier sont là pour le lui rappeler, parce qu'au Kenya aussi, il y a cet accord-là, entre eux les Kenyans. Uhuru Kenyatta et Ruto, ils ont le même accord. Mais une pression, le président avait décidé, mort ou vif, Vital Kamerhe a dit renoncer à ces accords. Ils ont mis la pression qu'ils ont mis sur Vital Kamerhe, les 20 ans de prison que vous vous souvenez tous, où Vital a passé que 6 mois, et après, ils ont renégocié les termes de l'accord. Bon, Vital Kamerhe n'est pas Joseph Kabila. C'est ça la différence. L'homme de Kinyakati est le fils de Laurent Désiré Kabila. Né dans un maquis, soldat à la lame, il n'est pas prêt à se laisser berner, ou à se laisser faire, ni à se laisser chanter. Le président lié par un deuxième accord, celui dit de Kinyakati, celle qui le met pieds et mains liés. Qu'est dit cet accord? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'effectuera qu'un seul et unique mandat. Un seul, pas deux. Congolaises et Congolais, nous devons avoir de nouveaux hommes politiques et femmes politiques. Ceux qui, pour qui la vérité, rien que la vérité, est au-delà de tout. Les hommes intègres, comme les Burkinabés, les pays des hommes intègres, dont je tiens ici d'ailleurs à saluer la bravoure du capitaine Traoré. Nous devons être comme les Burkinabés, les hommes intègres. Les Congolais ont besoin de ce genre de politiciens, ceux qui ne renoncent pas à leurs paroles, ceux qui ne s'engagent pas pour rien, ceux qui ne bradent pas les intérêts de la République. Contre un deuxième mandat. Écoutez-moi bien, je me répète.
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est bel et bien président sortant, alors définitivement sortant de la RDC. Deuxième mandat, yet. Il parle de négociation. Joseph Kabila demande à négocier pour un glissement. Faux. Kabila a refusé catégoriquement de discuter quoi que ce soit avec un homme qui ne tient pas parole. Ils ont utilisé les services du pape pour faire approcher Joseph Kabila de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La réponse de l'homme de Kinakati est d'abord respectons les premiers accords et on en signera un deuxième. Ils ont fait venir ici et il y a des mains lors. Voilà. C'est une partie via vidéo on a vu. Il y a un Ndekonabiso Henri Magie. Na makambo etali bongo akor o mokonzi ya mboka ye mo akeko kundola ndeko moko alobi ya mama bibi vérité soki nano e yebale jamais bokoki kolekana esika wana. E kota la bilan ya chef de l'état Félix Tshisekedi azwa deuxième mandat ndenge bandeko ayi de pesa balobaka ngala okoka kobetela bino maboko fachi beton azwa deuxième mandat mais avec quel bilan, avec quel bilan bandeko nanga? Ce que Félix Tshisekedi, malgré qu'on a la recelère, il y a pouvoir, il y a Ndeko Martin Fayulu, a zoa qui au moins, ma kambola, ma boko, pour la posa la ke bilan a ye, et marqué peuple congolais a linga qui a réclamé ye. Il y a qu'on impose peuple congolais, mais il y a qu'on réclamé peuple congolais, il y a qu'on réclamé, 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 il y a deuxième mandat. Que bien moko bozali conscient que ce président là a sali et l'autre côté pour le peuple congolais. Tout mon akolo bana bino li kamwa mandat Félix Tshisekedi. Il y a une vidéo mais na ko proposer bino ango na suka. Il y a ndeko na biso Fabien Kuswanika. Concernant le bilan ya Félix Tshisekedi. Ça là qui moi résumé mo wana. Na zo ki ango na ko diffuser les bino. Mais tant songa na assemblée générale. Akolo ko bana bino que d'autres présidents Baleki, Batiki trace, discours na bango partagé na Afrique mobimba, pe na monde entier. Mais pas pour notre président. Motomoka lobinanga mama bibi, internationalement, existe ka. Oui, na revoir na kati ya bandani nanga, ezali azoko loba lokola adverbe, akoloba ngolo lokola mot, ezali ko exister na kati ya dictionnaire été. Hein? Voilà. Le col adverbe, hein, il s'agit coexister. Mais le col à mot pénal, il s'agit boy dans dictionnaire, tout qui est tout l'endamant, il s'a raté. Voilà. Donc, ben, la macambeta, les discours où il y a pas président. Le représentant, n'a pas président de la République, t'es mais représentant. Il y a président Burkina, il y a Burkina Faso. Avez-vous encore besoin d'un peu d'histoire? C'est monsieur à lobby. Bon, pour y bisanga. Est-ce que Félix et Tshisekedi a reçu ça un discours hier, comme président de la République, on a même représentant, c'est-à-dire l'un des ministres y a Burkina Faso. Si qu'on Félix et Tshisekedi a président de la République, ce qui est autant discours en Burkina Faso qu'en Abidjan, tika, mawaza panga, bato balobaralinga la ba comprendre marambo na kolo. Ma wazapanga penza, discours à chef de l'État na biso. Mais ministre, il y a génération endeko Burkinabe oyo, oyo na kombo ya, ya Burkina Faso oyo, oyo na kombo ya Ibrahim Traoré, boyo kabolanda, très attentivement, discours na yi. Monsieur Macron, avez-vous encore besoin d'un peu d'histoire pour vous remémorer? Enfin, bien avant cette sortie regrettable et donc malheureuse du président français Emmanuel Macron, il s'était attaqué, comme tant d'autres de ses compatriotes politiciens, à la maternité africaine. Et là aussi, je tiens à lui rappeler que l'Allemagne compte 80 millions d'habitants environ sur une superficie de 347 000 km² face au Congo, qui a 95 millions d'habitants sur une superficie de 2 345 000 km². Deuxièmement, la Belgique compte 11 millions d'habitants sur une superficie de 30 000 km² face au Gabon,
qui a 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 267 000 km². Troisièmement, la France compte 68 millions d'habitants sur 672 329 km² face à la Namibie qui compte 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 825 000 km². C'est fort de tout ce qui précède que, justement, Aimé Césaire, paix à son âme, disait, je cite, « L'Afrique est le seul continent au monde où les populations chantent et dansent et applaudissent pour ceux qui les appauvrissent, les affament et les torturent. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. » Fin de citation. Certes que l'Occident a violenté, volé et violé l'Afrique. Quelle est notre part de responsabilité en tant que dirigeants africains? N'est-ce pas nous, dirigeants africains, qui prêtons le flanc pour qu'on nous piétine? En effet, nous avons abandonné notre identité pour ne rien être. Nos noms ont disparu pour faire place à d'autres noms importés et qui ne collent pas à nos réalités. Il nous faut reconquérir notre culture. Nous avons singé en copiant l'Occident, en monogamie. Voilà qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que des contre-valeurs, des attitudes contre la nature relèvent du ressort de la liberté. Il ne sera pas question d'homosexualité en Afrique. Je le répète, il ne sera pas question d'homosexualité chez nous. Monsieur le Président, ce qui vient d'être décrit sont les étiquettes profondément malheureuses d'une ONU aujourd'hui résumée qu'à sa portion de forme, car 1,2 milliard de personnes sont plongées dans la misère. 2000 milliards de dollars US dans l'armement. 20 fois le budget de l'ONU dans le nucléaire. Sur les questions de développement, l'Afrique reçoit du FMI et de la Banque mondiale 34 milliards de dollars contre 160 milliards de dollars pour l'Occident. La paralysie du Conseil de sécurité de l'ONU, la paralysie de l'Organisation mondiale du commerce, la montée des tensions suite au repositionnement géostratégique, l'Organisation mondiale du commerce également encore bloquée, le Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale qui fonctionnent en véritable usurier, l'Organisation mondiale de la santé, qui est de plus en plus dominée par les firmes pharmaceutiques de rente, donnant ainsi une priorité commerciale que sociale aux vaccins tels que le vaccin contre la COVID-19. L'ONU qui devient de plus en plus l'ombre d'elle-même de par les tentatives de sa prise en otage par un conglomérat de puissances internationales impérialistes, brouillant ainsi la clarté et le sérieux dans ses prises de position, etc. Par conséquent, les peuples africains en général, et sahéliens en particulier, se battront vigoureusement pour que la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU soient des institutions au service véritablement des peuples du monde pour leur profonde émancipation et le progrès social véritable. Parce que ce sont les manquements de ces organisations, leur manque de sincérité, leurs décisions clientélistes et à géométrie variable, la couverture des tripatriages constitutionnels avec leur lot de crimes, la promotion de la mauvaise gouvernance, le pillage, la désorganisation sociale et la corruption qui conduisent immanquablement au coup d'État, qui ne sont donc que des conséquences. Traitons donc les causes et les conséquences disparaîtront d'elles-mêmes. Mais si nous continuons avec ce jeu de l'Autriche, à la diplomatie d'hypocrisie, aux mensonges éhontés d'État, aux crimes organisés, au tripatriage constitutionnel et à la fabrication de larbins à la tête de nos États africains, même l'ONU risque de ne pas échapper à un coup d'État. À bon entendeur, salut. Dans ce sens. Dans ce sens, et afin de prendre leur destin en main, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé l'Alliance des États du Sahel en abrégé AES. L'AES est une architecture pour la sécurisation de nos pays, partant du traité révisé de l'autorité de développement intégré de la région de l'Iptako-Gourma. Prenant en compte la situation sécuritaire et surtout le manque de franchise dans le partenariat, il s'agit de compter sur nos propres ressources en recherchant la mutualisation de nos moyens et à œuvrer à faire disparaître les discontinuités dans les espaces de manœuvre opérationnels. Monsieur le Président, je vous signifie avec force et fermeté dans une haute et intelligible voix que, primo, nous, peuple africain, sommes frontièrement démocrates. Pour preuve, notre attachement à la dignité humaine transcende la démocratie. Ce que nous refusons, c'est moins donc la démocratie que le piège de la démocratie qui nous est tendu. Ainsi, la démocratie électoraliste s'est avérée un moyen de contrôle de nos États à travers le jeu de chaises musicales de dirigeants très souvent
Voilà. Il s'appelle Monsieur Bassolma. Bazier. Boyo Kienenga Lobby, Aza président de la République, t'es Guy Florent là-bas. Aza président de la République était. Pourquoi Kaka, après ma rencontre, y a Boye? Il faut pas partager à Kaba discours, y a ma président, bambo comme au sous mais abiso. To partager à to commenter comme à Kambo, y a bambo comme au sous ma dirigeant, bambo comme au sous mais abiso. C'est quand même regrettable. Et ça, là, c'est un bon moment pour partager pe, ma camboya, monsieur le président, un bon canabino, topé les dirigeants de votre pays. Et ça, là, qu'à moi, honneur. Mais malheureusement pour notre pays. Malheureusement pour notre pays. Boyoki discours. Nakata ma camboya, koloba, bangite kazali, nakati ya tribune, ya ONU. Si bango a lobby, même l'ONU, et ça, qu'on risque. Et qu'on risque nini, et ça qu'on risque coup d'État. Même l'ONU, et qu'on risque coup d'État. Et ce qui boyo ki, l'obi na koya pena ba discours y a maréchal. Oui, maréchal Mobutu. Ndeko Guy Florent là-bas, merci beaucoup pour nous rappel. J'ai des discours ici à Mobutu. Ta mwa koloba boyo ka mobali ya oloba. Tribune, et ça la gi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 g
Quoi ce pouvoir en tant que RSLR, Martin Fayou a eu le pouvoir à 3 mois. Mais à mon avis, vérité des urnes, à qui peut t'emboler là. Et ça là qui pambate. Bourondi Mayango, et ça la question. Je vous aime tellement beaucoup. Nous sommes François Matin, nous sommes là. Bonsoir. Bonsoir Alain Essanga, directeur à discipline. Naïveté ce qui est qui est là. Toi, Azali Penza. On a pour sentir Ndeko Alain Essanga. Maman Gabrielle Echembe, bonsoir. Bonsoir. Adjo Congo, bonsoir, 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 bonsoir. Naba de konyonso. Naba djalelo liste, nyonso pe boko ta ki mokolo alelo. Merci beaucoup pour votre présence. Mais au moins, beaucoup comprendre que le pouvoir a été volé. Et ça, entre bino bato et opposition. Donc, ceux qui bozala qui honnête, au moins qu'on reconnaître que to yiba, ne fisse que ça. Et ça là qui est important. Et ça, bato mosou pe ba yibi, ma reconnaître que nga na yiba ki. Et ça n'a pas important. Mais ce qu'on m'appelle, ça rendait la moto à Ibi, ma lingite pour reconnaître qu'il y a Ibaki. Parce que, Balobaka, une faute avouée est à moitié. Comme l'IDPS n'a jamais accepté, Pomba Bakala, bonsoir. Yves, bonsoir, là, Namonio Lelo, na Sepedi. Germaine Kingumba, merci beaucoup. Jurès Mboula, merci beaucoup. Mbigantoko, bonsoir. Bonsoir, Binonyonso. Mick Anthony, bonsoir. Voilà. Jérémy Imbuma, bonsoir. François Matan Nouzola. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Le quoi la une paix, c'est Boya qui conduit. Que Iba qui pouvoir, t'as la humiliation. Pour Balobaraba français, Balobara, c'est la fin qui justifie le moyen. Et votre fin, est ça tellement fin. Votre fin est tellement fin. Yango et humilié bino. On se retrouve demain. Nalingi bino mingi. Ndeko pro Congo Alain Essanga. Merci beaucoup. Ndeko Alain Essanga na zomou na ete. Pro Congo Zetakai. Bonsoir. Ndeko Alain Essanga na moni ete. Na zomou na ete jusqu'il là. Voilà. To zaranze morabiso moro to si sarana yango. Emission. Oye zaraka makamboa solo. Bande konabiso bayemba. Et to si saranango émission pour que totali sabino que moto soki a komi na suka a komara ba inspiration moko za roi moto soki azana nzala za ba projet moko moto soka azala na ba projet moko o ngana yo to mosu su solo bito komi na mbongo to lo bito musa ko pibe na mbongo projet wa bosanya ezalo ka bande kona biso passion bazali ko sentir eza passion ngana to ko partager. La situation, il y a Est, il y a République. Le mensonge qu'on nous partage matin, midi, soir. Même ça qui vient au lobby. Ne qu'on a bis l'outundou là. Après, si bis un mensonge, pour la roloba que d'ici le 24, faire des séquocotes na ko na bitumba. Na ba M23, na ba EAC, bangonionso. Mais na souka na yango, lobby est là qui le 24 septembre. Mais un mensonge. Buko sepela na mensonge ya lolenge wana. E bato wana nyonso bazali ko mou mensonge wana. Me bazali ko bete yango kara. Parce que c'est le pouvoir de Félix Tshisekedi. Tous les djalélolistes sont derrière Félix Tshisekedi. Pona nini, pona kokosa kaba kongole. Ce n'est pas une bonne chose. Ne kon abiso a koyemba. A souhaita ki na vi na eta ko ma musicien. Ma komi yango, pona ko denonce oyo a ko mouna. Même les députés, bako koka ko sala. Oyo bango ba prometa ki bango lopiti. Aujourd'hui, il ne chante pas parce qu'il attend à te. Azo yemba parce qu'à côté la situation où azo pour vivre, à côté pour exprimer mon cas à travers une chanson. Mais yango komona que même dans leur phrase, dans le phrase qu'il utilise à travers cette chanson, komona que même au delà il y a réflexion au moteur que causé là. Et puis ezama kambo ezama vrai. Bato ba koyemba bo ba kangi bango, mais bato ba oboma bato ba M23. Bazo protéger bango na EAC, bazo sala ba meeting, bazo sala nyonso balingi. Voilà, c'est un peu ça. Neko na kati nzembo na lobaka. Mieux vaut kutu na tango ya Mobutu. Tozala ki koyeba ke tozana dictateur, mais tozala ki na kimia. Na kati tala bato bakomi kozonga même kolamusa Mobutu. I de pes. Viva kaka. RSLR, pouvoir RSLR, voilà.
Meko luka barebele bazo kata batumi toujours nuit bozo kokate. Gouvernement de merde, trenil. C'est moi, Mouissa Nzanzu Makasi. Peuple congolais, soyo ini. Ennemi aza na porte na biso, encore azali na mawate. Soki tomi bateli ndeo, gouvernement kosunga biso teo. Soki pema wana biso teo. Soko mana beni adevina lu. Bazo poma batu neti basoso. Est-ce que gouvernement bozangi force ya kubonisa bango? Toko mana bunya bakoneko. Bazo kata kata ba toujours en nuit. Est-ce que général est louboyo zo monate o? La pays Congo, pas de président, pas de gouvernement. Ce sont des voyous. Ce sont des imbéciles. Balingi kakalo kumutango population zombo mamana misona bango. Quelle sorte de gouvernement? Peuple congolais, disons la vérité. Ongande général Kostandima, Ongande major Kabila. Na kuzanga soni bozo tourne na bakarke basoda batonde libino nzoto mobimba. Mes peuple bazo kufa. Population bazo kufa jour et nuit. Bozo zanga kosunga bango. Orke bango nde baleisa kabino. Bongo na biso nde futa kabino. Mais bozo ki peni soteo. Tozo kufa neti basoso. Bozo mi benga les gardes civils. Nous nous sommes des gens fatigués. Quelle sorte de gouvernement? Qui c'est que voilà yosa président. Yosa papier vide. La pays Congo, pas de président, pas de gouvernement. Ce sont des voyous, ce sont des imbéciles. Balingi kakalo kumutango population zombo mamana misona bango. Quelle sorte de gouvernement? Peuple congolais, disons la vérité. Au moins à Taolo Mobutu. Tu n'as joué à l'Olikouaka l'Olitate. Mais l'Olikouaka n'a mani. Oh. Olikoïti, tu président, tu voyou. Tu n'as pas la ma veste qui l'a si. Tu n'as voyagé pour un baba misad. Or, tes Congo, c'est des pays riches. Nous, on a koufa sa wa manyama. Est-ce que vous n'avez pas un goût ya kumaliza ma rébellion? Ama mouko na nye mouko. La pays Congo, pas de président, pas de gouvernement. Ce sont des voyous, ce sont des imbéciles. Balingi kakalo kumutango population zombo mamana misona bango. Quelle sorte de gouvernement? Peuple congolais, disons la vérité. Petit frère propre, éloge mon bangé. Bazolo ba tous les jours que nous avons la démocratie. Mais esa synonyme à des mots assis. Ma fille est du ville Makasi. Je sais qu'ils ne me laisseront pas en paix. État de siège, état de piège, état de choc. Ça c'est pas un combat de couleurs, mais de douleurs. Pourquoi je suis révolté? Parce que le Congo, c'est le pays le plus riche du monde. On ne peut pas laisser une terre aussi riche à un peuple aussi idiot. Ce que c'est un peuple, Bagobo Mali Bosso et Zabiso. Mindele Baya sur place, Baba Nogotoga Diamango Bango Moko, parce que Batouana Babina Nanou Ndombolo, des idiots. On fait le Ndombolo, la classe politique et ça, Ndombolo. La classe qui se dit religieuse, et ça, Ndombolo, les artistes, Tika Bakolo Ndombolo, vous de la presse, vous êtes ndombolique, la science est devenue Ndombolo. Tu veux que Jean Goubalaz a révolté, tu veux que je vive comme tout le monde, Nazoué Bake Kalaming, Telem Souba, Oboto, Labiso, Congo, Kamwaga Rwanda, Moutoumou, Kéwa, Mangungu, Taïe, communauté internationale, Taïa Rwanda. Rwanda opena bujama ba ndoge yemuko aningisi Rwanda. Rwanda mayele ako ningisa Rwanda. Rwanda komo sangana na Congo, vous voulez que Jean Goubala za tranquille? Qu'est-ce qui ne marche pas? Mais c'est l'idiotie Ndombolo ya congolais. Moto akokabola biso te.
eloko to sale awa lelo na miso na bino peuple mokonzi pe na miso nzamba za kotala biso likolo ezali to meli mbondo mbondo ya ko trahir peuple te oyo ko trahir peuple kombo na ye likama bino moko mutu ko kozwela esikoyo mokano mokano to kopeta yo biso basoni tozali awa tomeli mbondo tokokende na bomoko. C'est pas possible dans ce pays. On fixe des choses, des règles. On dit c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et vous revenez sur ce que sur vos propres engagements. Mais moi je me pose la question si vraiment il y a des hommes d'État dans ce pays, des hommes d'honneur surtout. C'est ça qu'il faut dire. Parce que moi quand j'engage mon honneur dans quelque chose, je ne reviens pas en arrière. Et je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Ozalo kutamoko ya ko sa. Ma mission TV, le miroir du monde.